Je vous le disais en titre, c'est une opération peu commune qui a été menée aujourd'hui à Haguenau, un pont de 57 mètres déployé au-dessus de la Modère. Et la preuve que les travaux de la Rocade Sud avancent. Ils avaient pris du retard en raison du confinement. Olivier Stéphan, Juliette Jonas. Il avance, lentement mais sûrement. Un rythme non pas de sénateur, mais de communauté d'agglomération. Car voilà une quinzaine d'années que celle de Haguenau réfléchit à sa liaison sud. Un boulevard urbain de 5,5 km, enfin en construction, dont le pont, enjambant la Modère, est le maître ouvrage. Le tout destiné à booster l'économie, faciliter la vie des habitants et désengorger de son trafic le centre-ville. Ça va permettre d'améliorer l'accessibilité au centre hospitalier de Haguenau, qui est quand même un centre hospitalier très important pour toute l'Alsace du Nord. Et puis desservir la zone de l'aérodrome, desservir la zone du Taubenhof et relier en tout cas deux artères importantes. C'est l'axe qui vient du sud de Strasbourg et l'axe qui est à l'est et qui va sur Bichulaire et la bande rhénane. Un lançage de pont retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la communauté d'agglomération. Pour procéder au lançage du pont, il a fallu un treuil et un petit plus. Que possède la ménagère ? L'ouvrage est positionné en face provisoire sur des patins en téflon. Et afin d'améliorer le coefficient de frottement, on rajoute du savon noir entre l'interface entre le pont et les patins en téflon. Du savon noir comme sur le parquet ? Exactement, exactement. C'est aussi simple que ça. Le coût global du boulevard urbain est de 42 millions d'euros TTC. Suivant les tronçons, jusqu'à 24 000 véhicules l'emprunteront quotidiennement.